Yo les gens, c'est Zenda qui est aujourd'hui notre pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui c'est un peu spécial parce que je vais faire un setup de ma nouvelle chambre. En fait, parce que voilà, comme vous pouvez voir là derrière, maintenant c'est gris. Alors qu'avant c'était orange et blanc, et puis en fait c'était trop pourri. Donc en fait on a tout refait, enfin voilà, et donc je vais vous faire un petit setup et en même temps vous montrer tout le matériel que j'utilise pour faire mes vidéos. Et voilà, c'est parti. Voilà. Donc là, je trouve avec tout mon matériel pour voilà, mon matos, mon ordi, enfin voilà. Donc, on va d'abord passer à la couleur. Donc, je vous mettrai juste des photos d'avant et maintenant. Et voilà. Donc ça, c'est encore une ampoule qui n'est pas pour toujours parce que elle est très très moche. Donc voilà. Donc ça, avant, c'était en brun. C'était vraiment trop moche. Donc en fait, on a que fait d'abord ces parties et après on a fait cette partie là-bas. Voilà. Donc, il y a encore des Lego et tout parce que, en fait, ouais, il y a des fois des petits qui viennent jouer ici. Et... voilà. Ça, c'était mon ancienne coque d'ordinateur. Voilà, très très moche. Bon, voilà. Là, il y a un canapé, mais ça, en fait, ici, ce côté, voilà, comme vous voyez, là, et ben, on va faire exactement comme là-bas. Comme là-bas. Voilà. Donc, oula. Voilà, donc on va commencer tout de suite le setup de ma chambre. Je vous ai un peu montré comment c'était avec les nouvelles couleurs et tout, voilà. Donc c'est parti. Alors, ici, j'ai un petit truc qui fait du bruit, normalement. Attendez. J'ai un petit truc qui fait... ouais, genre pour le feu ou je sais pas quoi. Donc ça, c'est... ça, c'est un truc quand j'étais en Croatie. C'est en fait une ville qui s'appelle Pula. Ça, c'est... bah, je pense que vous connaissez. Hein. C'était mon père, quand il était à New York, il m'a ramené ça. C'est la tour de Pise. Enfin, voilà. Donc, voilà. Après, j'ai mes freins. Voilà. C'est pas très intéressant. Voilà, là, il y a encore des freins, des chaussettes et tout. Enfin, voilà, là, j'ai mon lit. J'ai pas fait le... donc là, la qualité, comme ça c'est mieux. Ouais, j'ai pas fait mon lit parce que, je sais pas, j'avais la flemme. Et comme dit, Seb Lafrite, ça sert à rien de faire son lit puisque de toute façon, on y va nouveau le soir. Non, donc voilà. Donc, on va commencer par mon bureau, voilà. Qu'est-ce qu'il y a là en dessous? Là, il y a un pot de Nutella. Là, il y a des mouchoirs. Là, il y a toutes mes cartes d'anniversaire. C'est tout ça. Tous ces cartes d'anniversaire, c'est depuis que je suis petit, je fais la collection. Enfin, c'est ma mère qui a commencé. Donc là-dedans, il y a tout l'argent que j'ai. Maintenant, j'ai plus rien parce que je viens de commander un truc. Et voilà. Donc après, je sais pas. Ouais, j'ai pas grand-chose. Voilà. Donc après, là, je vous mettrai peut-être tous les liens de tous mes trucs en fait, sauf l'ordinateur, parce que j'ai un peu, on va dire, c'est comme si j'avais fait ma config moi-même parce que j'ai changé des trucs. Enfin voilà, j'ai changé beaucoup de choses. Donc là, il y a un premier écran qu'un pote m'a donné ou prêté. Enfin, je m'en bats les steaks. Il est là devant moi. Non, enfin, merci à lui. Comme ça, j'ai deux écrans. Voilà. Un petit carré tout moche et un super que j'avais acheté avec mes propres moyens. Voilà, donc cet écran, je vous mettrai dans la description là, bien sûr. Donc cette caméra, cette webcam que j'ai reçue à Noël, donc je vous mettrai aussi le lien de la webcam dans la description. C'est une super webcam avec de la super bonne qualité, je vous la recommande si vous voulez faire des facecam en Paris comme moi, voilà. Là vous voyez. En fait je fais toujours comme ça, là il y a un écran pour filmer voilà ma tête et l'écran pour jouer. En fait je fais toujours comme ça. Donc après il y a mon bébé, voilà. Avec de la super lumière bleue et tout, wow, c'est trop beau. C'est un boîtier Zalman Z3+. C'est juste écrit là, Z3+, Zalman. Donc à l'intérieur, voilà, vous pouvez voir ma super graphique et tout, mon alimentation, bon voilà, c'est pas très intéressant. Voilà, c'est un super beau boîtier, moi je l'aime bien en tout cas. Donc il n'y a pas beaucoup de gens qui l'ont, donc ouais, c'est pour ça que j'ai voulu le commander parce que...
Je sais pas, ça me saoulait de toujours avoir les mêmes trucs que les autres. Enfin, je voulais pas commander le même boîtier, genre les Z11, le même boîtier que qu'un petit cousin à moi et des autres gens et tout. Enfin, y a pas beaucoup de gens qui ont celui-là. Après, voilà. Ouais. Donc après, voilà, ça c'est le carton du boîtier. Ça, c'est le carton de ma carte graphique. C'est une GTX. GTX. Ouais, une GeForce GTX 760. Là-dedans, j'ai encore un paquet de bonbons. Voilà, comme parce que je mange tout plein de fois. Enfin, je mange tout en fait ici. Du Nutella, des bonbons et tout. Voilà. Après, là-dedans, il y a des sucettes. Ouais, après c'est pas très intéressant. Donc voilà, j'ai pas vraiment beaucoup de choses. Après j'ai oublié, ouais, mon micro. Donc c'est un... Attendez, voilà, on enlève le pop-up. Voilà, c'est un... comme ça... Z-T-Bone, enfin je sais pas, ouais. Voilà. Après j'ai un tapis de souris MatGaz, je vous mettrai bien sûr dans la... enfin, je vous mettrai tout dans la description, voilà. Ça c'est une RAT3, elle est très pourrie. Je vous la recommande pas. Je vous recommande la RAT7, elle est beaucoup mieux. Après ça c'est un clavier Perix, voilà, qui fait de la lumière. C'est enfin rétroéclairant, je sais pas comment on peut dire ça. C'est un clavier Perix, je vous mettrai aussi le lien. Pourquoi je dis ça? Je pense que vous avez compris, je vous mettrai le lien dans la description. Voilà, ça c'est pour mes vlogs, j'utilise cette petite caméra tout pourrie, voilà, une Canon. Ça, c'est mon iPhone 4, donc ça, là c'est pourri, mais ça me suffit. Donc juste là en bas, j'ai mes enceintes, voilà, mes enceintes, c'est en fait un truc d'iPhone. Et en fait j'ai un double jack qui relie ça à l'ordinateur, donc c'est un peu mes enceintes, voilà. Donc, ouais, c'est un peu tout pour ici. Après, voilà, là vous pouvez peut-être voir ce que j'utilise pour quand je suis à la maison. C'est l'appareil, c'est un Nikon D3200 avec la super bonne qualité. J'ai fait beaucoup de vidéos avec et tout. Enfin, voilà. Elle est super. Ouais, pour la balade des lumières, ça, genre c'est pour avoir de l'ambiance. Ça sent bleu et vert. Ouais. Après là-dedans j'ai encore des micros. Je peux vous montrer tout ça. Alors ça c'est la boîte de ma carte mère. Allez, la qualité. Ça c'est la boîte de ma carte mère. Voilà, une Asus. Ça c'est un truc pour faire des... voilà, quand je fais des courts-métrages. Action. Voilà, c'est... Après là j'en ai un deuxième que je crois que je vais vendre en fait, parce que ouais, j'en ai pas besoin de deux en fait. Ça c'est un micro que j'utilise pas. Là il y a une arme en plastique, un airsoft. Donc c'était pour faire des vidéos en fait, quand je faisais des vidéos des vidéos d'action comme ça avec mon petit iPod Touch que je suis mis avec et tout, et la qualité n'est pas très bien, les effets spéciaux sont pas tellement bien faits. Si vous voulez, je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. Ça, c'est ma boîte du micro, juste ici, voilà. Après, j'ai encore des flingues, c'est mon ancien clavier. C'est un clavier tout pourri, c'est voilà, comme ça. Ça, c'est un trépied, ça, c'est... après, j'en ai un autre, je sais pas où il est. Un plus grand que ça. Là j'ai un steadicam assez cool. Voilà, on range tout ça. Donc après là-dedans il y a encore la lumière qui était accrochée là-bas. Enfin après c'est pas très intéressant. Voilà, j'espère que ce setup vous aura plu. Donc encore excusez-moi pour hier, parce que hier j'ai pas sorti de vidéo parce que il y a mon cousin qui a dormi ici et j'avais pas trop de temps, j'ai joué avec lui, enfin voilà, et ouais, j'avais pas trop de temps pour faire une vidéo, donc désolé, c'est pour ça. Aujourd'hui normalement il y aura deux vidéos qui sortent, si j'arrive à en faire une deuxième.
Donc voilà, avec ma sucette. Donc voilà. J'espère en tout cas que ce setup vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner. Merci beaucoup. Et on est 30 abonnés. Merci à tous. Avec 2000 vues sur ma chaîne YouTube. En tout, ça me fait super plaisir. Je savais même pas un mois que je suis sur cette chaîne YouTube. Et on est déjà 30 abonnés. Et on est déjà 38, 33. 32, enfin je sais plus, je crois 33 et 2000 vues sur ma chaîne YouTube, c'est énorme. Allez, ciao tout le monde, c'était Nadak.